bien bonjour à tous, c'est Jumper le Prankeur. J'espère que vous avez bien écouté. Moi c'est le Dinkel, quand les tueurs jouent les gens se retrouvent une fois de plus pour un nouvel épisode, je dirais même un nouveau chapitre, sur Scary Teacher 3D. Merci encore les gens comme d'habitude pour tout vos retours en pouce bleu, en commentaire, c'est un truc de dingue, toute cette hype qu'on a sur ce jeu à la Hello Neighbor, bien sûr avec notre prof, bien sûr qui ressemble, et vous avez raison parce que j'ai eu pas mal de commentaires passés là-dessus, à Ombrage de Harry Potter. Sauf que là c'est pas Ombrage à Poudlard, c'est Ombrage dans le manoir de Luigi Mansion, tu vois, c'est clairement ça. Du coup les gens, on est parti pour attaquer le chapitre 3, bien entendu, de... Ah non, ça c'est le spécial, très bien. Pourquoi... Attends, mais quoi? C'est quoi cette arnaque? Tu me dis que j'ai pas fait le 2? Mais mec, je l'ai fait la fois dernière. Bon bah écoute, c'est pas grave. Hop, on va fouler la... On va enfiler la... On va enfiler la blouse du Père Noël et let's go pour Christmas. Oh, il va falloir... Let's help Crash Misty. Oh, il va falloir aider madame... Oh, il va falloir aider madame T à faire du patin glace. Très bien, de la patinoire. Ah, oh là, déjà, je vois qu'il y a un nouvel objet disponible. Le sel. Alors, je vous rappelle le but. Les gens, quand vous êtes nouveaux, bien sûr, sur Scary Teacher 3D, c'est simplement de pranker, de piéger notre prof. Bien sûr, de se venger pour toutes les heures de colle qu'on a mangé, qu'on était en cours. Et là, c'est les vacances. Et là, c'est terrible pour toi. Ok. Bon, voilà. Par contre, il se passe quoi, là? C'est Scary Teacher 3D, c'est sa maison, Misty, là, elle est en train de tout refaire, là, ou ça se passe comment, là? Tu me diras, étant donné que c'est un nouveau chapitre, avec un thème différent, c'est possible. Enfin, voilà quoi, c'est... D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai toujours les mêmes lunettes, on dirait qu'elles sont tellement propres, ces lunettes, que j'ai même pas de verre, hein, tu vois, c'est... Mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais la neige, alors, ils sont en train de la fabriquer au pôle Nord ou quoi? One eternity later. Ah bah voilà, ça y est, après 3 heures, la barre s'est enfin débloquée. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Oh, la piscine, elle a gelé! Oh, j'ai l'impression qu'il y a de la glace partout! Perfect! Hein? C'est parti, c'est parfait pour faire de la patinoire! Ah ah! De la patinoire, voyez-vous ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, parce que j'ai dû réinstaller le jeu, bien sûr! Donc, du coup, alors attendez, je vais lui mettre. On va lui mettre, tiens, on va la. Allez, vas-y, on va la faire rire un peu. On va la faire rire! Bon, on va peut-être pas prendre le bus tout de suite. Ah, d'accord, t'es obligé. Ok, très bien! Voilà, allez, on va se marrer! Oh, la nouvelle maison! Excellent! Non, mais c'est excellent! Elle est toute enneigée et tout! Oh si! J'avais jamais fait gaffe qu'il y avait une fenêtre en haut comme ça. Ok. Non, non, c'est bon! J'ai pas besoin d'indice. Alors. Bon, c'est bon, on l'a fait rire. Alors. On trouve un moyen d'accéder. Ok, donc il va falloir. Je pense qu'il va falloir gâcher la surprise. Il va falloir gâcher la fête! Ok. Alors, on va aller par là. Oh, le billard! Très bien! Attends, on revient de la cuisine! Ouh! Ok. Alors ça serait bien qu'on puisse péter ses patins, tu sais. Ou leur faire fondre la glace. Ah, faire fondre la glace. Elle vient pas, hein. T'es d'accord, hein. Ok, c'est bon, elle vient pas. Ah mais attends, mais les gens, j'ai une petite idée, mais... Attends, ça... Oh, il y a des étoiles. Excellent, ça. C'est pour quoi? Oh, c'est pour des indices. Ah ah. Mais je n'ai pas besoin d'indices. Mais justement, j'allais dire, j'étais en train de t'idée, mais vous sonnez le sel. Non, mais à tous les coups, c'était ça. Le sel, normalement, tu... Oh bah, petite étoile, merci pour la petite étoile. Nickel, comment elle vient de s'asseoir? Elle a bugué totalement. Ok, du sel là. C'est sympa, avoir vu du sel. Oh, j'ai vu la clé bleue. Pour ouvrir les tiroirs au-dessus, ça roule. Bah, le sel, normalement, c'est dans la cuisine. Tu vas pas mettre ça dans une chambre, tu sais. Tu aurais une petite pincée de sel pour bien dormir. Tu vois le délire ou quoi? Aucune logique. Non, oula, je viens de sauter. J'espère qu'on m'a pas entendu. Où est-ce qu'elle le met son sel? C'est quoi ça? Dans le dos, je vais prendre. On dirait des. Des allumettes! Oh! Peut-être avec ça. Ah, on va voir. Ok, elle a. Oh, je me suis vu! Je me suis vu! Mais genre totalement normal. Oh, le sel! Alors attendez, on va essayer avec. Ah bah d'accord, bah c'était pas les allumettes. Très bien. Bon, je pensais que ça allait être les allumettes quand même, mais utiliser le sel. Voilà! Allez, allez! Mets du sel! Ça va fondre! Yes! On va gâcher la fête de Misty! Mais attends, mais les gens, c'est déjà le délire! Je viens à peine de commencer le chapitre! Le chapitre 3, regardez, elle est déjà bloquée! Il y a les bloqués dans la cuisine! Qu'est-ce que je dois faire là parce que. Elle est où? Où est-ce qu'elle est? Attends, mais elle est où sans déconner? Ah! Bonjour madame! Je viens juste pour. Ok.
alors peut-être qu'il faut mettre plus de... Plus de sel. Plus de sel. Mettre des têtes. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay, on a quoi là? Carafe, ok, on s'en fout. Est-ce qu'il y aurait pas genre plus de sel? Oh. Ok, elle se barre. Ah, va dehors. Ok, alors pour l'instant, c'est pas bon. C'est pas bon. Tant qu'on a pas le run. Ok, attends, qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Non, je m'en fous. M'en fous des indices. Attends, c'est quoi ça? Alors, mettez le sel dans l'eau. Oh, il fallait faire de l'eau salée. Ah bah très bien. Ah, ok. Quelqu'un essaie de briser la glace. Non. Elle m'a grillé totalement. Oh là là. Mais ça commence. Ça commence. Bon bah tu me diras. Au moins l'indice il a servi à rien, hein, parce que là, enfin plus ou moins, parce que bon, il fallait une carafe d'eau. Mais non, il fallait faire de l'eau salée. Ah, pour que ça s'éparpille un peu plus sur toute la piscine. Perfect. Bon, normalement, tu me diras, avec le sel, ça aurait pu être suffisant. Bon, très bien. Oui, puis bon, là, ok, on y va. Allez, c'est parti. Ok, donc il nous faut du sel et... ah bah, la carafe d'eau. Alors, elle a pas verrouillé la porte. Très bien. Elle est au niveau de la piscine. Impeccable. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle remonte ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, ok, ok. Bah attends, j'ai gagné une étoile, j'ai bien utilisé l'indice. Le sel, il était où déjà? Il était là-bas. Je crois qu'il était... j'ai un doute. Ici. Ah! Cours, cours, cours! Oh la vache! Il me voit pas là. Oh, oh, yeah. On va la faire courir un peu la vieille! Allez! C'est bon. Nya. Ah, on pourra pas venir là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu m'auras jamais! Jamais, Missy, jamais! Oh ouais, mais c'était pas le bon tiroir aussi. Ok, c'est bon. N'empêche, le pot, non mais la taille de ce pot! Tu vas me dire qu'on avait pas assez de sel? Et on va mettre ça, du coup, là-dedans. Oh, est-ce que c'est ça? Yes! Oh, c'est bon! Ok. Ah ouais, ils sont de plus en plus forts, mec, les chapitres. Hein. Clairement, ils te forcent à avoir des indices. Hein. Obligatoire. Ok, bon. On va mettre ça sur la piscine. Yes! Allez, c'est bon. Là, ça va en mettre partout. Ok, casse-toi avant que Mister arrive. Ok. Je me casse. Je me... Mais autant, elle est déjà là, c'était plus ou quoi? Elle passe à travers les murs. C'est bon, elle me voit pas, elle me voit pas. Là, je la vois même pas. Là, si elle me grille alors qu'elle existe même pas. Elle est invisible, le monde il est même pas chargé. Regarde, elle a perdu la moitié. Là, elle a perdu 150 mètres carrés là de maison. Hein. Ok, attention. Oh voilà, ça y est. Ça y est. Ça y est, a fait du patin et glace. Oh là là. Qu'est-ce que je m'amuse. Ah ouais, elle est agile la vieille. Oh. Et c'est la chute. C'était l'enfoiré. Qu'est-ce qui a fait ça? Prank. Yes. Ah là là, c'est ça qu'on veut. Oh, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai regardé tout le temps les objets en dessous, hein, je pense. Je pense qu'elle a besoin d'aide pour sa décoration de Noël. Très très bon ça. De la colle. Je pense que c'était de la colle. Ou de l'huile. Ah, bah, peut-être on va devoir mettre le feu. Ah ah. 1, 2, 3, lumière. Il est magnifique. Ah, bien. Ah, ah, ok, il va falloir justement trouver un truc pour remplacer au niveau du sapin. Ok, ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, on va aller déjà au niveau du garage. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le marteau. Oh, ça pourrait être... Non, ça c'est violent quand même. C'est vénère. On va prendre le piège. Ombrage, j'arrive. On va aller à l'étage. Là, ça sent le... Ah, ça sent le sapin qui va cramer, je te le dis. Ok. Très bien, qu'est-ce qu'on a là? Lampe torche, on s'en fout. On va continuer. On va continuer de se balader un peu. Il y a sûrement un truc dans les placards. Bon, les gens, j'ai fouillé pas mal les pièces à l'étage, j'ai rien trouvé. Alors, c'est sûrement au rez-de-chaussée. Ou même... Ok, elle est en train de danser. Regardez, elle a tout décoré, quoi. C'est un truc de ouf. Mais c'est trop stylé. C'est vraiment la nouvelle maison, quoi. Oh là là, Merry Christmas. On peut pas lui poser un piège? Oh, je peux fouiller ce qu'il y a dedans? Attends, on va le laisser. Regarde, il tremble. Ça va faire un beau cadeau, ça. On va aller voir un petit peu si on a des trucs à la cave. On peut toujours pas l'ouvrir, ça. Hein. Rien à faire. Hein. Oh, un carton. Qu'est-ce que... Quoi? C'est des grenades. C'est des grenades.
Mais attends, mais c'était pas du tout l'objet qu'il y avait en dessous. Ou alors... Attends, je viens de penser à un truc. Parce que là, ça sent le feuille, hein. C'est bon, je me suis fait trop de fois avoir. À mon avis, les gens, il nous faut trouver l'espèce de truc un peu bronze, là. C'était une bombe, là. On dirait un déodorant, tu sais. On va fouiller. Alors, peut-être que j'ai dû le louper quand je suis allé là-haut. Alors, tac, on va passer par là. Ok. Ouverture. Nya. Qu'est-ce qu'on a ici? Une clé. Oh, bah non, c'est bon, j'ai le piège. Attends, on peut pas savoir que je suis là. Ok. Ah, c'est bloqué à la cheminée. Faut pas aller dans la cuisine, alors. Faut pas aller dans la cuisine. Ok, bon, c'est pas. On va aller, c'est bloqué. On va laisser la vieille tranquille. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le marteau. On va refaire un tour là-haut. Et on va passer par l'échelle. Oh, c'est la cloche. Oh, regardez ça, les gens. Alors, je suis passé devant tout à l'heure, mais voilà, vu que ça avait pas la même couleur un peu cuivrée, mais ça ressemble quand même à un nouvel item. Hein. On dirait une bougie. Faire un petit peu. Oh. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ou pas? Bon, écoute, on va continuer de fouiller. Ah. Oh, c'est là. J'avais même pas capté. Ok, on a plusieurs. Bon, on prend tout. Bah, je prends la totale. Alors ça, c'était noté, mais on va peut-être pas utiliser le rouge et le vert. Parce que... Allez, à l'étage. Faut que je descende. Allez, je me casse. Je descends. Allez, on saute sur l'arbre. Hop là, ça glisse. Nickel. Et on va les remplacer les boules. Le piège. Ok, on va remplacer les boules. Mais on va remplacer les boules par des grenades. Oh, ce Noël explosif. Voilà, et là, on va mettre ça. Mais non, mais... Mais tu te fous de moi? Non mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais attends, mais sans déconner, qu'est-ce qui vient de se passer là? Je viens totalement d'exploser. Et d'ailleurs les gens, un petit indice assez sympa, petite astuce, le petit tips, tu vois. En gros, quand vous allez dans le magasin, regardez en bas à droite, en fait, regardez, ça vous met en premier, je pense, les objets dont vous avez besoin. Donc c'est une bombe électrique. Et il faut un spray jaune et pas rouge, parce que regardez, les boules sont dorées. Donc du coup, ça veut dire que si tu utilises un spray rouge, elle va me griller, tu vois. Et d'ailleurs, le voisin s'appelle Francis. Je crois qu'il s'appelle Hungry Neighbor, il me semble, là aussi également. Du coup, on va prendre les boules. En plus, ça tombe bien. Allez, parti. À l'étage. On va poser des grenades. Grenade. J'arrive. Attends, est-ce que... Oh. Me dis pas que c'était ça. D'ailleurs, on va équiper ça dans les mains. Non, mais elle est vraiment en train de danser comme ça. Mais what? Non, mais elle est en forme de ouf. Ok. On va poser les grenades. Ouais, c'était ça, c'était sûr. Est-ce que je peux remplacer ça ou pas? Oh, yes. Ok, fais en sorte que, voilà, ce soit pas grillé. Voilà. Barre-toi avant qu'elle arrive. Tiens, tu vois ce que j'ai pris, moi. Ça va... Ok, je me suis mangé la porte. Très bien, pas de soucis. On va rester là. On va les entendre. On va les écouter. On va se mettre à côté de la machine à sous. Voilà, c'est bon, on va se mettre là. On peut y jouer d'ailleurs ou pas? On peut même pas y jouer, l'arnaque, toi. C'est un truc en plastique. Ok, bien. Elle arrive. Elle descend. Elle arrive, c'est bon. Elle arrive. Non mais qui a des photos de soi comme ça là dans la maison là? Personne. Faut vraiment s'auto-tiffer quand même, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une ligne. Très bien. On va regarder par le trou de la serrure, on imagine. Ça serait trop bien de pouvoir faire ça. Genre en mode On y va. Oh, Francis. Hey, tu as vu? Il est pas magnifique, ce sapin. Oh, c'est vraiment des grenades, regardez, on le voit bien. Allez, vas-y, en avant pour la musique, la lumière. Quoi, j'ai galère à parler, alors? Attends, ah mais comment c'est qu'il n'y a pas de lumière? Ah oui. Oh, mais je suis bête, en fait, la prise était débranchée. Lumière. Oh là là. Oh là là. Ils sont à terre. Pop. C'est... Arrête de danser comme ça, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'était de la puissance. Oh. Encore un nouvel indice. Très bien. Alors, apparemment, faire un truc avec des œufs. Ok, donc on va y ajouter quelque chose de spécial dans la mixture. Yummy. Ça a l'air tellement bon. Ah d'accord. Au checker. Ça roule. Eh ben, ça va, tranquille, ça se peut bien. Ok, le mixeur. Très bien. Ok, je reviendrai plus tard. Ah oui, c'est les protéines. Bah ouais, tu m'étonnes. Si elle boit les œufs comme ça, tu m'étonnes, tu es là en forme. Bon, il va falloir y ajouter quelque chose de spécial. Alors, du coup, si on va là. Qu'est-ce que c'est? Tiens, du cacao. Bon, ça a pas l'air terrible en tout cas. Ça a pas l'air appétissant. Bon, clairement, un truc comme ça. Ça se trouve dans la cuisine, non? Est-ce qu'elle est là? J'ai de repérer la pièce. Moi, je me fie au papier ping. C'est comme ça que j'arrive à savoir où aller. D'ailleurs, merci encore au drone qui est toujours là.
Waouh, mais c'est quoi ça? Mais c'est plus un récipient, c'est une bassine! Tiens, il y a ses œufs. Elle est en train de venir. Je me casse. Faut que je prenne le piège d'ailleurs. Tu sais quoi, on va le mettre à l'entrée d'un. Je sais pas où aller. Je crois qu'elle se barre, mais dans le doute. Voilà, oh! Je l'ai vu, elle est partie, monte, elle est montée. Elle va se manger le piège, c'est pas grave. Hop, allez, on va mettre ça. Quoi? Il est où le truc? Ah, l'Ender! Peut-être l'Ender, non? Sa boisson. On va mettre une bougie. Mais comment je mets ça là-dedans? Ah, là-dessus, sur les œufs! Ah, il faut le faire! Non, tu te moques de moi, sérieux? Sans déconner. Ok, je mets ça là-dedans. Ok, c'est bon. Je vais me refaire un shaker. Oh, j'espère que c'est bon. J'aurais pas pu lui balancer des œufs. Allez à l'étage. Allez à l'étage. Je répète, I repeat. Ah bah tiens, ça a vachement fondu le... la neige, enfin la glace. Ok, on va se mettre là. Ah. Elle est au-dessus. Elle était au-dessus. On va se mettre là. Regarde, on est pas du tout suspect, c'est... Mais je te vois. Allez, ramène-toi, Mistey. Allez, va. Allez, va. Pour elle, c'est normal, la porte reste ouverte. Mmh, yummy, yummy, yummy. Ça va être bon, ce petit shaker. Qu'est-ce que... quoi, c'est tout? Ah, mais pourtant j'ai mis ce qu'il fallait, mais je n'ai pas mis assez. Oh mais les gens, mais c'est un truc de ouf, ça fait au moins 20 minutes que je galérais. Non mais sans déconner en fait. Non mais pour deviner ça du premier coup, c'est impossible. C'est impossible, j'ai vraiment tout testé et en gros. Voilà, bah j'en étais sûr, voilà. En fait, on a obtenu un œuf pourri parce qu'on l'a mis trop longtemps dans l'eau. Là, on va mettre ça là-dedans. Et avec ça, voilà, comme ça en fait, un petit goût de cacao, comme ça, on va pas se douter que l'œuf que j'ai mis dedans est périmé, hein, qu'il est pourri. Parce que vu que je lui ai mis du cacao, tu sais, elle va pas le sentir en goût. Et à mon avis, à la sortie, ça va être autre chose. J'espère qu'elle va pas mourir. Ça serait violent quand même. Les œufs périmés, intoxication, c'est chaud à mon avis. Hein. Tu imagines que c'est ça? Tu imagines que c'est la fin, elle meurt? Ah, elle va peut-être s'évanouir. Yummy, yummy. Ça a l'air tellement bon. Dis-moi que c'est bon là. S'il te plaît, dis-moi qu'un seul œuf, ça suffit. Mais non, mais je me suis encore planté. Sérieux? Oh là, oh non. Mais qu'est-ce que... Oh là, oh là là. Oh là, oh là, ça tient un genre là, vite là. Les chiottes, vite, les chiottes. Oh, ma story. Ah bah les vomir. Ah non, je crois que c'est pire. Yes. Et c'est la diarrhée. Oh l'horreur. Oh l'œuf périmé quoi. Terrible. Terrible quoi. Oh là là. Ok, donc là on a pas tant d'indices que ça. Ah ah, l'air glacial. Ah. Oh, bah alors on a attrapé un rhume, hein. Il va falloir les soigner, Misty. Ok. Bon. D'ailleurs la cravate serpentin, hein, j'ai grillé. Donc Ombrage est bien du côté de Serpentin, on est d'accord. Hein, quand ils ont balancé Harry et tout le monde dans la chambre secrète, là, la pièce secrète. La salle d'entraînement. Ok. Alors. Make it. Ok, alors c'est un truc. Oh! It's power! Ça, je l'ai vu, je l'ai vu. Ça, c'est un truc que tu vas trouver directement. Oh là, j'ai failli faire un double jump normal. Bah, tu me diras, regardez, j'arrive bien à grimper avec un piège à loup dans les mains. Hein. Comme ça, sans utiliser les mains. Voilà. Dans la salle de sport, j'aurais mis un truc comme ça, non? Ok. Il va falloir lui mettre. Espèce de truc là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Ah, c'est les bombes de décoration! Il y en avait d'autres ici! Excellent! Excellent. Voilà! Ça vient de m'arriver. Alors, c'est pas encore un truc dans la cuisine. Peut-être un truc dans la salle de bain. Ah! Le mec, il se fait peur lui-même, tu sais. On a quoi ici? Pied de biche. Le marteau. Alors, les marteaux et tout, c'est un magasin de bricolage chez elle. C'est un truc de ouf, hein. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Ah, c'est bricot sympa. Oh, c'est ces trucs! Va falloir mettre ça dedans dans sa doudoune, je pense. Ok. Bon, bah, il restera là. Va falloir mettre ça dans la doudoune. Oh! C'est quoi ça? Geyser! Instant?
Ah, équipé vachement bien sa baignoire. Non mais regardez ça en fait, les gens, j'étais passé justement tout à l'heure, c'était ça. Le HD Power. Ça veut dire du... Je crois que c'est du... Du poil à gratter, je crois, hein. Ça c'est quoi? Du talc. Et insect powder. Oh là là, ça va pranker sévère. Bon, j'imagine qu'il faut aller dans sa doudoune. Mais j'ai pas vu c'était quoi sa doudoune. Attends, je vais la croiser là. Un miroir, c'est moi. Ok. Ok, alors la doudoune. On a bien compris que Rare Jacket, c'était ça. Alors le truc, c'est laquelle elle mettrait? Moi j'aurais dit la violette. On va mettre ça là-dedans. Voilà, je peux mettre autre chose là-dedans. Voilà, comme ça, dans le doute. Eh, fait, c'est le bon moment, c'est un bon temps pour aller. Pour aller prendre ma doudoune. Ouais, c'est ça, prends ta doudoune. Alors j'ai piégé les trois. Dans le doute. Ok. Ouah, ça doit glisser là, non? C'est bon, ça tient. On se fait loin. On utilise le drone. Le drone! Quoique, je peux mettre là en vrai. Oula! Genre, elle a pas entendu la porte. C'est une porte silencieuse. Ok. Attention! Elle m'a enfilé la tenue! Oh oui, elle a pris la violette! Oh, ça va gratter! C'est du poil à gratter que je l'ai mis dedans! Oh, ça a l'air de fonctionner! Regardez les gens! Ah, ça gratte! Alors attends, c'est un rapport avec la baignoire. D'accord, mais. Elle peut me choper quand même avec sa doudoune. Elle est buggée. Je l'ai buggée. Parce que je voulais bien détruire ce truc là, moi, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame! Wow! Elle s'est mangée la porte! Ok. Avaler à la baignoire! Avaler à la baignoire, mais j'aurais dû mettre des produits dedans! Mais je savais pas! Ok. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ok, à prendre sa baignoire. Ça roule! Misty prend sa baignoire! Oh, il fallait peut-être mettre des produits dedans! Oula! Il fallait peut-être régler. J'ai pas la. Je sais pas du tout. Ah, ça fait du bien! Mais non! Mais. J'ai pas eu le temps de gérer tout le système, j'ai pas eu le temps de désactiver la baignoire! Fallait pas qu'elle ait le temps de faire ça! Ok, alors pour l'instant, c'est pas perdu! Ok. Oh, yes. Much better now. Ah, c'est beaucoup mieux maintenant! Oh non! Non! Bon alors les amis, justement, pour cette partie-là, j'ai dû utiliser un indice parce que là, clairement, pour le voir, il fallait y croire. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait tout simplement, j'imagine, désactiver, regardez, cette partie tuyauterie, en fait, pour qu'elle puisse se légeler. Elle est sur le toit? Elle est sur le toit, très bien, on peut pas la faire tomber, là, non! Bon, du coup, alors, attendez! J'imagine qu'il va nous falloir une échelle. C'était donc ça, le système! Je l'avais grillé, mais je ne pensais pas que... Tu vois, il fallait aller directement à l'extérieur pour désactiver la chaudière de la baignoire. Je peux pas y aller avec une chaise. Non, à mon avis, une chaise, ça va être trop, un peu short. Hein. On va y aller avec avec l'échelle. Vous allez voir, comme ça. Voilà, nickel. Hop, une échelle. Dans la poche. Parce que c'est ça. Hein. Alors, regardez, là, elle est où, là? Là, elle est où, l'échelle, là? Elle est genre derrière moi, dans une de mes poches du jean, tu sais. La poche à l'arrière, tu sais, je me travaille comme ça. Avec l'échelle au-dessus, tu sais, qui... qui bascule. Je vois trop le truc, tu vois, je vois trop le truc. Et d'ailleurs, apparemment, il y a un glitch à faire avec... Avec cette animation. Et je vais l'essayer avec vous. Ok. On va déposer ça. Voilà. Wow. C'est les pompiers, madame. Ne inquiétez pas. Je coupe l'eau. Bon. Ça, c'est bon. Alors. Maintenant. En plus, tu sais, ils te le disent pas vraiment exactement, le truc. Hein, ça... Petit piège. Je vais pouvoir grimper par là. Ok. C'est bon. Nice. Ah, va aller danser. Va danser. Ok, donc on avait dit ça, bien dedans. Ça, on met ça. Et ça, on met ça. Yes! Et on se casse! Vite! Oh, c'est bon, tu m'as pas vu. Voilà, et là, les gens, on va aller attendre. Vous allez rire. Apparemment, c'est ce qui est conseillé. On va aller au niveau de la cheminée. Vous allez voir, attendez. Voilà. On va... Attends, tu verras, on a eu le temps d'enlever l'échelle. On va peut-être enlever l'échelle, attends. Enfin, je sais pas. Attends, non, je vais la laisser. On va enlever le piège. Voilà, ça, je le garde avec moi. Voilà, ça gratte. Ça, on connaît. C'est bien dit. Attends, je vais vérifier que c'est toujours bien coupé. Hein. La vanne. Allez, coupé. Dans ce sens-là, c'est coupé. Faut que ça aille dans le même sens que la tuyauterie. Ok, donc là, il n'y a pas d'arrivée d'eau chaude. Donc là, elle va se légeler. Normalement,
Voilà, la pâte cheminée. Très bien. Ok. Ok. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Ok. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Attention. Oh non, ça clignote encore, c'est pas bon. Attends, quoique, là l'eau elle est pas en train de bouillir. Y'a pas de jacuzzi là. Là c'est une eau bien froide à moins 10 degrés. Oh, c'est bon ça. Attends. Peut-être qu'après, en fait, qu'elle va activer l'eau. Ah. Oh yes, ça fait du bien comme ça, oui. Ça gratte à cet endroit là. Oh, l'eau froide. L'eau froide. Yes. Et là, attention, le glitch. C'est un glitch. Ouais, je suis là. C'est n'importe quoi. On peut vraiment se voir, quoi. Oh là là, apparemment, c'était un bug qui était très connu, hein. J'avoue que si tu te mets, en fait, aux endroits, tu peux le faire. Ok. Oh, attends, je crois qu'elle va faire... Oh, c'est la nouvelle année, c'est les feux d'artifice. Oh, excellent. Waouh, la taille du putain. Un bison 50. Un classique. Oh là là. Ah, elle n'a pas le temps de finir sa phrase. My firework. Waouh, même le ciel est tout... Waouh, y a des étoiles qui tombent. C'est la neige. Ok. Alors là, il nous faut une cordelette. Un couteau. Non, une pelle. Un pied biche. Un marteau. Il faut tout ça. Il faut une corde. Ah, il faut faire en sorte qu'elle vole avec. Ah, bah oui, elle fly along. Ok, donc elle s'envole avec le... Avec le feu d'artifice. Bah écoute. Ok, bah c'est la cave. Tu vois. C'est la cave. De toute façon, ce genre de truc... Ouais, tu diras, on va fouiller dans les deux... Dans les deux pièces en haut. Tout à l'heure, je pensais bien aussi qu'il y avait rien là-haut, mais... Ok, il va falloir lui attacher. On va peut-être prendre de la colle aussi, hein. Ça, je prends. Dans le doute. Pas de cordelette ici. Nine. Rien. Ok, on va faire le tour. On va faire le tour. Y'a rien. Ok. C'est tellement grand. C'est trop grand. On peut ouvrir ça ou pas? Oui, on pouvait. Ok. Bon, on va aller voir au niveau de l'autre pièce. Et si c'est pas ici, ça sera la cave. Très bien, c'est la cave. Je peux sauter là ou pas? Alors, on va peut-être éviter, je crois qu'il y a en bas, non? Parce qu'il y a en bas, oh! Mistel, t'es où? Oh, je me barre. Oh, elle est juste là! T'en prends de ça, hein? Ça te dérange pas? Ah! What? Mais non, mais c'est quoi ce jeu de piège là? Oh! Mais quoi, tu peux pas sauter? Oh, tu dis une barrière. Heureusement qu'elle était bien. Mais c'est quoi? Mais... Ça sert à rien! Un piège comme ça sert à rien! Possible! Qui jette? Elle est vraiment en train de courir... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je ne comprends pas! J'étais persuadé qu'il était là! Eh ben j'aurais pu chercher trois plombes comme ça, regardez, en faisant le tour de la maison et en sortant surtout de la cave. En fait, j'ai trouvé la corde et la pelle! On va la prendre dans le doute et la pince aussi. Bah écoutez, j'ai tout pris. Pour de peinture, je peux pas le prendre. Ok, bon. Alors maintenant, alors j'ai pas trouvé la fusée. Elle était pas devant. Bah elle est pas derrière. Ah, elle a peut-être mis sur le toit du sauna. Non, bah non, ça aurait mis le feu à la... Ok, elle est pas derrière. Oula, il vient... Oula, oula. Ça vient de m'arriver là. Bah écoutez, on va faire le tour parce que... Peut-être sur le toit de la maison, non. Oh, elle est là. Oh, excellent. Attends, mais c'est quoi ça? Il y a un seau derrière. C'est quoi? C'est que ce... Attendez, je vais jeter ça. C'est quoi ça? D'accord. Alors, je peux mettre la corde, j'imagine. Ok, fais en sorte qu'elle vole loin. Hein? Fais en sorte qu'elle détecte pas le piège. Ah, peut-être. Oh, ah, de la neige! Vite, 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 vite. Allez, 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 allez! Ils ont mis ça dessus. Oui! Yes! Yes! Oh là là, mais c'est tellement énorme dans la boutique en fait de voir dans l'ordre des indices. Oh, mais on a eu chaud de ouf! Enfin, j'espère que j'ai en oublié, mais vraiment, regardez, c'était ça! Regardez, bon, ça c'est pour avoir de l'énergie. Oh, le ralenti, là! Et là, donc la corde et la pelle! Mais c'est insane! Ah, par contre, j'ai pas pensé au pied de biche. Non, mais non, au pied de biche, bah, tiens, tu sais quoi, on va le prendre dans le dos, hein. Au moins, on sait où il est. On va peut-être pas se mettre là. Ok. Je vais faire. Du coup, on va avoir les pieds dedans! Ah! C'est quoi ça? C'est un piège, c'est un piège. Elle fait où? Elle fait quoi là? Elle fouille. À la cave? Très bien. Ah! Ça va en fait, j'ai peut-être le temps d'aller voir.
parce que j'ai besoin du pied de biche. Bah non, run away. Non, bah non, run away, c'est te barrer en fait. Faut que je me casse. Non, je me casse. Je me casse. C'est bon, pour moi c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non, non, c'est sûr. Non, mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le pied de biche? Ah, peut-être l'assommer. Non, on peut pas l'assommer. On peut pas l'assommer. C'est le mec qui va la violence. Mange-toi ça. Ah. Eh bah, si je jette aussi bien le pied de biche. Je jette tellement bien, avec tellement de force, que le pied de biche a disparu, quoi. Quoi ça? Oui, c'est un barbecue. Pourquoi il y a pas de neige chez le voisin? D'accord. C'est une pelouse chauffante. Très bien. Bon. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mais elle prend trois plombes. Elle est en train de refaire le tour. Ah non, c'est bon, on y va. Ok, le sauna. Donc tu déconnes. En tout cas, c'est bien pratique, les étoiles là, pour les tips. C'est la table la plus grande du monde, hein. Je tiens à le dire. Ah, ça va être là. Ok. Let's do this. Et c'est parti pour leur feu d'artifice. Oh, ça va. Oh, le boom carré pixelisé. J'aurai ma revanche. Oh, le sourire, un problème des bouches. La dame, elle va falloir consulter. Oh, papa, papa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin. Yeah. Enfin, je pense. Je dis ça, mais je m'enjoye. Ouais. C'est ça qu'on veut. Ok, très bien. Donc ça va se la jouer Miss France la prochaine fois. Très bien. Mais les amis, on verra ça du coup la fois prochaine. Oh, attends, c'est marqué quoi? Party never ends. Oh, il n'y a jamais de fin pour la fête. Qu'est-ce que c'est? Poppin' Bottle. Oh, c'est le chapitre de la fiesta. Carrément le poulet dans le micro-ondes. Le... Ok, très bien. Le voisin complètement... complètement en pétard. Ok, donc la fête et bien sûr le moment de la starlette. Voilà. Et bah écoutez les gens, ça sera pour le chapitre 4 de Scary Teacher. Allez, j'espère en tout cas les gens, une fois de plus, que cette nouvelle vidéo vous a extrêmement plu. Si c'est le cas, regardez, je vous invite à lâcher un maximum de likes. Regardez, il est là. Il est là, tu vois, le petit boost là, tu vois. Voilà, il est beau, il est magnifique. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo à la chaîne. Je vous remercie grandement les amis, c'est votre jumper. Et je vous retrouve très bientôt pour Scary Teacher 3D. Ciao les amis.